est la semaine 5 de The Artist Diary et The Artist Way. J'ai dit autre chose. Et comme vous avez pu voir, ça n'a pas du tout la lumière ici, attendez. C'est mieux ici, je pense. Du coup, comme vous avez pu le voir, je ne suis pas chez moi, je suis chez ma sœur, près de Toulouse. Et c'était pas prévu, ça s'est décidé juste 2 jours avant. Du coup voilà, je suis allée chez le coiffeur tout à l'heure. Je sais pas si ça se voit avec cette caméra. Parce que je vois pas trop ce que je filme, parce que ma caméra, mon retour est à l'envers. Mais du coup voilà, je suis contente, ça faisait 3 ans à peu près que je n'étais pas allée chez le coiffeur, donc ça fait du bien. En plus, il pousse pas mal. Du coup, j'ai lu le chapitre le lundi avant de partir. Il m'a un peu moins parlé que d'habitude au niveau des thèmes abordés, etc. Et voilà, ça s'est arrêté là. Je n'ai pas fait les exercices ni fait les morning pages parce que, en fait, je m'adapte toujours... Où je suis, attendez, je reviens. Je sais pas si on voit bien, mais voilà, je m'adapte au rythme des personnes chez qui je suis. C'est logique. Et là, du coup, on avait des choses de prévu. On partait le matin, etc. Du coup, là, on est mercredi après-midi. Et du coup, je vais reprendre. Je l'ai quand même amené. Elle part souvent des choses voilà, qu'on ne s'autorise pas à faire, etc. Il y a une liste de vœux à faire, écrire très vite, je souhaite, et pas trop réfléchir et juste mettre une liste comme ça. Ensuite, il faut faire un peu un dossier d'image, un peu notre vie rêvée, quoi. C'est un petit peu ce qu'on a fait déjà la semaine dernière sur l'environnement, où est-ce qu'on aimerait vivre, etc. Je dirais que c'est un peu comme compléter ce dossier-là. Faut repenser à 5 vies imaginaires comme on avait fait les 2 premières semaines, voir si ça a un peu changé, s'il y a des nouvelles idées, etc. Et s'imaginer si on n'était pas bloqué genre par l'argent, par différentes choses, le temps, etc. Qu'est-ce qu'on ferait vraiment si on avait tout ça? Moi, c'est clairement si j'avais de l'argent, car je n'ai pas d'argent, je n'ai jamais d'argent. Et du coup, bah, y a plein de trucs que j'aimerais faire. Et quand je dis pas d'argent, c'est vraiment pas du tout, du tout. C'est pas un petit salaire du tout, c'est rien du tout. Et du coup, d'être bloquée sur certaines choses, c'est sûr que si j'avais plus d'argent, je pourrais faire plus de choses, quoi. Sur les blocages créatifs, elle parle un petit peu aussi. Et du coup, voilà, je pense que je ferais ça probablement en rentrant chez moi, tête au calme. C'est pas mal de réflexions comme ça, en fait. On n'a pas trop d'exercices... à faire soi-même. Et voilà, je vais revenir sur les points que j'avais trouvé un petit peu importants, pourquoi pas. Au début, elle parle que Dieu, il n'y a pas de limite, tout est possible, et que souvent on se limite, nous, parce que pour elle, le pouvoir créateur, il vient de Dieu, et du coup, nous, on se limite avec une pensée humaine, et que si on dit bah, Dieu, il est illimité, et il y a tout l'argent, tout le temps du monde, tout ce qu'on veut, quoi. Et que du coup, si notre créativité vient de Dieu, dans ce cas, tout est possible. Si on voit comme ça, on n'est pas limité par des choses humaines. Je trouve que ça rejoint un peu la pensée, un peu de la loi de l'attraction, etc. Tout ça, en gros, si tu t'es pas limité par des choses physiques, quoi. C'est un petit peu ça, son idée. On peut aussi tout simplement simplifier à ne pas se mettre des barrières. Je peux pas parce qu'il y a ceci ou cela et... oser croire en ses rêves, se lancer, même si a priori on pense qu'on peut pas. Du coup, il y a ça. Il y avait aussi une petite chose que je trouve intéressante, c'est que de penser le soir, pardon, ça me gratte, de penser le soir à des questions qu'on a, qu'on aimerait avoir des réponses, le penser le soir ou peut-être les noter pour ensuite avoir les réponses le matin quand on écrit nos pages du matin. Ensuite, elle parle de la vertu. D'accepter d'être solitaire et d'être seule pour pouvoir créer. Ça, c'est pas un souci en ce moment pour moi. Je suis très isolée, donc j'ai toute la solitude du monde. Donc, pareil, je me suis pas trop sentie concernée dans le sens où c'est pas dur pour moi de me trouver seule, quoi. Et le côté d'être un peu people pleaser, de vouloir faire toujours ce que les autres demandent,
et s'oublier soi-même. Et pareil, c'est pas trop, je suis pas trop comme ça. Et pour le dernier, c'est être autodestructeur. Donc je pensais qu'elle parlerait un peu sur le syndrome de l'imposteur et ce côté un peu de se détruire un peu son travail, etc. Mais c'était abordé un peu différemment. Donc pareil, ça m'a pas trop parlé plus que ça. Donc finalement, ça tombe assez bien que ce soit la semaine où je suis pas là, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire cette semaine. Mais voilà, c'était pour le petit bilan de mi-parcours. Je suis de retour, ça y est, mais je suis rentrée en étant malade. Ça devient une habitude puisque déjà la dernière fois, quand je suis revenue, j'étais malade. Donc vendredi, et du coup j'ai pas fait grand chose à part des petites courses que j'ai fait l'après-midi quand je me sentais un petit peu mieux. Et faudrait que je range un peu... Du coup, je me suis fait une petite soupe maison. C'est simplement des tomates et un demi-oignon qui était très gros. Quelques épices, c'est tout. Et c'est trop trop bon. Il y en a une qui est un peu trop contente de me revoir. Oui, tu fais quoi là? C'est mon petit pied. Je
peux plus vous.